Bienvenue. Bienvenue Dans l'antre du paranormal. Dans l'antre du paranormal. Épisode 10, eh oui, déjà. Donc on est dans un endroit très spécial aujourd'hui. Vous pouvez l'entendre. Donc là, c'est un beau signe. je vais laisser Brice vous en dire plus sur cet endroit qu'il connaît, hein, lequel il a déjà exploré. Donc nous sommes dans un cimetière. Et plus particulièrement un cimetière du 15e siècle, qui aurait été construit apparemment sur un ancien prieuré. Donc il y a l'église, que vous avez entendu sonner, et le château, qui se trouve juste derrière. Et en face de nous, une allée. Le fameux cimetière. Voilà, avec le fameux cimetière, où vous avez pu voir donc sur ma page YouTube, ainsi que sur notre groupe L'Antre du Paranormal, où j'ai mis une petite bande-annonce d'ailleurs. Un petit avant-goût, comme on dirait. Ouais, voilà, un petit avant-goût. Et voilà, on a été assez surpris dans un caveau où on entendait clairement taper. Wow ! C'est toi qui as fait ça ? C'est toi qui as fait ça ? De quoi ? Oh ! J'ai rien fait du tout. Viens là, viens là, viens là. Est-ce vous qui avez fait ce bruit? Vous faites partie de cette stèle? Non, là, il y a un truc là. Je n'ose pas là, mon pote. Je me casse. Donc, voilà. Donc, on revient aujourd'hui, essayer de démystifier un petit peu tout ça. C'est ça, tout ce qu'on aura entendu. Voilà, et bon, en espérant qu'on ait autant de phénomènes, oui, voilà. Encore une fois, si on peut appeler ça des phénomènes, oui, car voilà. Tout a une explication rationnelle. Quoique. On laisse un gros point d'interrogation. Voilà. Pour ma part, je pense que sur ce coup-là, je pense que... Voilà. Mais n'en disons pas plus. Tout est trouvé. Donc, écoutez, comme dans notre habitude, on vous invite à nous rejoindre. Bah sur notre groupe Facebook, voilà. L'Antre du Paranormal, ainsi que sur ma chaîne YouTube, Seth Spiro. N'oubliez pas d'actionner la cloche voilà, pour avoir toutes les notifications. Et également, comme on vous le dit à chaque fois, rejoignez-nous sur Facebook, L'Antre du Paranormal. Sur le groupe, voilà. Vous aurez vraiment tout, quoi. Et donc, on va vous laisser sur cet épisode voilà. Numéro 10 de L'Antre du Paranormal. Du Paranormal. Allez, à toutes. Les irrécupérables, nous revoilà devant cet endroit que vous avez pu voir dans la bande-annonce où on a entendu donc des sons tapés dans le caveau, quoi. Dans ce caveau-là. Donc il est quand même relativement tôt pour le moment. Donc on est venu pour commencer ce tournage. Et donc on fait un petit tour des lieux. En attendant, alors on peut percevoir déjà que c'est quand même pas mal chargé. Oh putain, je vois des trucs là, c'est un truc de malade. Ouais. Oh, ouais. Ouais, c'est marrant quoi. On dirait que ça a été peut-être scié d'en haut alors, sinon. Les bruits qu'on entendait, c'est ce chemin là. Voilà, ouais. On peut essayer de descendre un petit peu, remarque. Essayer de montrer aux irrécupérables un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, hein, c'est un chemin, comme il y en a beaucoup d'autres. Ouais, bon, je sais pas ce que. Hein? Ouais, ça redescend en bas dans le patelin, donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Et puis voilà. Donc, on va essayer de voir tout ça. Mon petit Brice, allez, c'est parti.
Oh putain. Putain, alors, bruit de portail bizarre, ça fait déjà 2-3 fois. Et la cloche juste derrière. C'est juste pour te mettre dans l'ambiance. Voilà, là, il y a encore des bombes. Soit pas éclairé puisque ouais. Vous pouvez voir il y a des fleurs qui sont autour. Ouais, donc il y a dû avoir un mariage, je pense. Il y a dû avoir un mariage, on dirait. Notre lisse. Ah si, regarde, oui, il y en a même par terre. Ouais, ouais. Ils ont jeté des fleurs et tout. C'est super joli. Vraiment très joli. Donc bah, je pense que oui, ça fait rien. Ce que j'aime beaucoup, c'est la partie en façon quadrillage, comme sur les anciennes herses. Ouais, voilà. Dans les châteaux. C'est vraiment super. C'est tout quadrillé au-dessus. Et donc, en fait, comme cette vous l'a dit, on est obligé de passer dans le cimetière avec la voiture pour aller se garer sur le parking. Vous voyez, c'est tout un chemin. Une allée. Voilà, exactement, c'est une allée avec plein de tilleuls. Ce qui est assez marrant, puisque on garde nos voitures ici, et le cimetière, et on est vraiment au milieu du cimetière, en fait. Donc voilà pour un petit peu l'info de ce cimetière. Donc construit, comme on le disait dans la présentation, peut-être sur un ancien prieuré de l'ordre des Cluny. Voilà. Et si vous voulez, je vous invite à aller voir sur internet ce que c'est que l'ordre des Cluny. Et donc à savoir ici un personnage célèbre. Ah oui. Qui est enterré, qui a une stèle. Un écrivain jurassien. Qui était inhumé ici. C'était oui un écrivain, Bernard Clavel. Voilà. Donc comme vous pouvez aussi le constater, c'est quand même des tombes plutôt médiévales. Bien sûr pas toutes, hein, mais pour la plupart, comme par exemple celle-là qui est vraiment énorme. Et on voit le travail qu'il y avait. Ce qui peut vous faire penser un petit peu aux tombes au cimetière qu'on connaît bien. Voilà, au cimetière qu'on a fait d'ailleurs le premier épisode. Notre premier épisode, tu vois. Le premier épisode de l'Antre du Paranormal. Et donc ce cimetière qu'on refera... pour un épisode spécial, c'est-à-dire le 31, pour Halloween. Voilà. Où donc il y aura une lune bleue. Hein, donc. Voilà, une lune spéciale. Une lune spéciale, donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire un extra en plus. Quoi. Ouais. Un hors-série, comme on dit chez nous. Exactement. Voilà. Par là plutôt. Ouais, c'est vraiment. Ça fait penser un petit peu, tu sais, au film The Croods. J'adore. Hein? Ouais, ouais, même les poignets sont énormes quand même. C'est magnifique. C'est voilà, la tuerie. Bien sûr, on va pas montrer les noms des gens. Non. C'est, voilà, respect. Ils se reposent en paix d'ailleurs. Respect pour les gens. Donc à savoir, on ne pénètre pas un cimetière comme ça. Hein. Voilà, on n'a pas du tout à faire du vandal. Le but, c'est pas ça. Waouh. Alors lui, il m'a fait peur. Un petit minet. Un petit greffier, comme on dit. Voilà. Une petite bête. Et vous avez vu un peu la taille de celle-là? Elle est énorme. C'est voilà, juste pour vous montrer que faut quand même du lourd. Ouais. Pour porter quoi. Mmh.
bonsoir à tous les défunts présents, tous les esprits. Bonsoir, bonsoir à tous. Me prénomme. Donc je m'appelle Seth Spiro et là on a Brictos. Enchanté. Et on est ici pour tourner un reportage d'ordre paranormal. Aussi paranormal il y a. Et là, si vous avez un quelconque message à faire passer ou écoutez, vous pouvez par le biais de nous, de notre matériel que je tiens ou que Brice tient dans la main. Tient dans sa main. Vous voyez, il y a un micro qui est là et qui capte vraiment bien les sons. Donc ça peut être éventuellement un moyen de communication avec vous. Avec vous. Voilà. Le truc là pour capter le VP. Ah oui. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Je vais. Alors, voilà les amis, aujourd'hui je. Bon, c'est un truc que j'ai téléchargé, comme vous pouvez le voir sur mon téléphone. Donc je suis en mode avion. Hein. Vous le voyez en haut. Voilà. Et donc c'est un enregistreur en fait hein, de voix, etc. Enfin de simplement hein, que tout le monde peut avoir sur Play Store. Ça s'appelle EVP. Il est là. Voilà. Et donc je vais le mettre en marche. Puis je vais m'amuser à poser sur une tombe. Sans faire de bruit, on va pas bouger, on va plus faire de bruit. Et donc, je vais d'ailleurs mettre la caméra pareil aussi, à vue ici. Rien voir du tout. Caduque. C'est un peu chaud. Voilà, je vais mettre là, puis on va attendre. Et là, je vais commencer à poser des questions. Et on va attendre un petit moment et on verra tout ça. Y a-t-il une présence parmi nous? Un quelconque esprit qui voudrait communiquer avec nous? Donc, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Seth Spiro. Et je suis avec mon ami, qu'on surnomme Brictos ou Brice. Et donc vous pouvez nous parler par le biais de l'appareil que je tiens dans la main. Donc je vais le déposer juste à côté de l'écran. Et si vous avez quelque chose, un message quelconque à faire passer, surtout, eh ben, n'hésitez pas, allez-y. Faites-le passer. Je le pose à cet endroit. Je vais le poser ici. Je vais vous le filmer comme ça. Vous voyez un peu. Voilà. Est-ce que ça. Bon, je suis pas de mon côté. Voilà, il est posé. Donc, bah... Et on va attendre un petit peu, quoi. Y a-t-il une ou plusieurs personnes qui voudraient se manifester par le biais d'un bruit? Ou essayer de parler dans l'appareil qui est sur la tombe? Nous sommes pas là pour vous faire du mal, mais pour pouvoir vous parler.
Alors encore une fois, n'ayez aucune crainte de nous, hein. On n'est pas là, comme dirait Brice, pour faire du mal, mais on tient vraiment à communiquer avec vous. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Y a-t-il encore des âmes errantes ici? Si oui, pourriez-vous faire un bruit? Je ressens des choses dans mon dos, c'est pour ça que je lui ai posé cette question. Il y a toujours ce bruit de portail, c'est bizarre, j'ai pas vu de portail. Le supportail que j'ai vu, il se trouve près entre la chapelle et puis. C'est le portail du parc et du château. J'ai vu. Est-ce que c'est vous que j'entends marcher? Pourriez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Y a-t-il là encore des anciens prêtres ici, de l'ancien prieuré? Si oui, pourriez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Nous ne sommes pas là pour vous agresser ni rien, juste pour entrer en communication avec vous. J'entends un sifflement, je ne sais pas ce que c'est. Pourriez-vous faire un bruit distinct, s'il vous plaît? Il y a un truc qui a bougé là-bas vers la tombe. La petite tombe là, juste à côté, juste en bas là. La grande tombe du fond. La plus grosse croix là-bas. Juste là. Hein? Attendez. Y aurait-il quelqu'un de présent ici? Si oui, manifestez-vous s'il vous plaît. Donc on va aller continuer un petit peu plus loin du côté de la chapelle mortuaire. Où on a entendu l'autre jour, je vais couper le micro. Donc là où on a entendu le fameux son. Donc c'est bon, il est enregistré. Je verrai ça plus tard. Si, juste à côté de toi, t'as le deuxième carré qui se monte là, c'est comme s'il y avait quelqu'un juste à côté de toi. Et aussi, il y avait quelqu'un juste derrière toi. Activer l'infra. Est-ce que l'arme de Bernard Clavel est encore ici? Je vais toujours essayer d'y aller. Ça pourrait être. Ils sont pas là pour vous déranger. Wow. C'était quoi? Que si quelqu'un avait approché une pierre, un truc qui tombait. Est-ce vous Bernard? On va aller vers la tombe. Tu crois qu'on y va? On dirait qu'il y a de la vie. Je vais rallumer Brice. Attends. Voilà.
De quoi? Ouais, ouais, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure, tu sais, t'as le château qui était éclairé. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de présent par ici? Une âme errante est-elle encore ici? Si oui, pourriez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Nous avons des appareils un peu sophistiqués, mais ça ne va pas vous déranger, je pense. Pourriez-vous faire un bruit? Merci. Pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît? Donc, il y a bien quelqu'un de présent avec nous? Est-ce que voudriez-vous nous laisser un mot? S'il y a bien une présence ici, est-ce que l'on peut prendre un message pour vous? Ce que je vais faire, je vais enregistrer avec mon téléphone. Le son. C'est pas une grosse box, mais c'est juste pour enregistrer. Ce serait pas mal qu'on prenne peut-être le matos, non? Oui. Bon, on fait déjà un tour comme ça, puis après on prendra le matos au cas où. On viendra de toute façon. Ouais, ouais. Donc on a fait une petite coupure avec Brice, qui est derrière moi. Et donc là, on va se rendre justement à la chapelle mortuaire. Et parce que c'est là qu'on a eu le plus de phénomènes de bruit, d'action, de ce que vous voulez, quoi. Donc voilà, on arrive dessus. Et tiens, ça, j'y avais pas vu l'autre jour. Oui, c'est une borne. C'est bizarre. On n'avait pas vu l'autre jour, tu vois. Et voilà. Donc, faut savoir que sur une photo, il n'y avait pas cette plaque au milieu. Il n'y avait pas la plaque au milieu, ouais. C'est là, elle n'était pas. Ouais. Ah, merde. Quoi? En fait, elles sont là. Ouais, voilà, ouais. On peut enlever des plaques. Ouais, faut lever. Voilà. Est-il un esprit parmi nous? Une quelconque entité qui voudrait bien communiquer avec nous. Vous vous souvenez de nous? On est venu la dernière fois. Oui. Et vous avez pas mal communiqué avec nous. On a eu pas mal de ressentis. T'as entendu le bruit? Et donc on est ici. Pour vous retrouver. Et pouvoir recommuniquer. Êtes-vous d'accord? C'est une autre ambiance là. Ça c'est une chouette. Ah, deux bords en moins, la batterie. Quoi de bruit?
Vous voulez plus communiquer? Seriez-vous d'accord de venir recommuniquer avec nous, s'il vous plaît? N'ayez pas peur. Encore une fois, on ne veut de mal à personne. Venez nous parler. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous pouvez vous adresser à ce micro qui se trouve ici. Vous pouvez également pomper sur nos batteries, vous savez, l'énergie qui est ou dans ma lampe ou dans nos batteries de caméra. Dans nos appareils, oui. Vous pouvez, hein, n'hésitez pas, il n'y a pas de crainte à avoir. Hein. Wow. Est-ce vous qui avez fait ça? Ça vient de là. Si. C'est des cailloux, ça, qu'on nous balance. C'est des cailloux, regarde, il est là. Là. C'est des petits machins comme ça. Il y en a, c'est des trucs comme ça. Non. Si non, ça peut être ça. Il pleut? C'est quoi qui tombe? C'est chouette, ça. Ouais. Est-ce vous qui avez fait ça? Qui commence à pleuvoir. Pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît? Pourquoi avez-vous fait ça si c'est vous? Là, nous n'avons rien. C'était quoi? Je dis on n'a rien au niveau de la chapelle. Là. Oh. T'as entendu? Ouais. Est-ce qu'on vous dérange aujourd'hui? Ah, il y a une odeur de fumée. Ça peut être les maisons alentours qui font briller le bois, mais bon. Ouais. Ah. Est-ce qu'on vous dérange aujourd'hui? Est-ce qu'on vous dérange aujourd'hui? Est-ce qu'on vous dérange? J'ai entendu vous. Ça y est, pique. Ça se pêche, mais. Pique là. Fais gaffe que ça soit pas un putain de courant. Ouais, je fais gaffe. Est-ce que c'est nous qui vous dérangeons aujourd'hui? Wow! Eh oh! C'est fini, oui? Attends, c'est quoi qui est tombé? C'est un caillou? Merci. C'est des cailloux qu'on nous balance dessus. J'ai vu un truc d'ici là. Fais gaffe à ta tête parce que regarde, c'est pas des. Qui êtes-vous? Enfin, un chat là-haut quand même, parce que tout à l'heure on a vu un chat, alors c'est quand même. Je fais quand même gaffe à tout moi. Allez, éclaire-moi là-haut s'il te plaît. Non, il y a rien là. Je vois rien. De l'autre côté. Ouais, t'as un mâchoire, c'est peut-être. T'as une genre de. Ah putain, c'est quoi ce machin qui. T'as. Ouais, c'est comme des herbes, des bois, alors peut-être, tu sais. Ouais,
grave, c'est un caillou. Hop, ça c'est pas un chêne ça. Voilà. C'est vous qui avez fait ça? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Je vois rien, putain, c'est chiant par contre ça. Pourriez-vous le refaire s'il vous plaît? Ah, il y a quelque chose au-dessus. Ouais, ouais, ça fait deux fois. T'as entendu le bruit? J'ai entendu le bruit. Ouais, pour vous, quoi. Et tu sais quoi, ça m'a fait penser à quand t'étais de l'autre côté. Ouais. Ça a redéplacé et après ça a fait le bruit. Il y a quelque chose sur le toit, mais quoi? C'est pas, t'es pas sur le toit. Donc, quelqu'un qui nous balance des trucs, mais quoi? Je vais vous demander d'arrêter, s'il vous plaît. Alors, ne nous agressez pas, surtout. Comme on vous l'a dit, on est venu ici. Vous voir en paix. Je te dis un bruit venant de là. Oh, oh. Oh, doucement. Ah. Donc on est venu vous voir. Puisque on avait eu quand même un petit, enfin je pense, un contact avec vous. Et je pense pas me tromper. Ça peut voir. Je ne pense pas me tromper. Et donc, c'est quelque chose? Ah, il y a du contact. Ouais. Il y a du contact. Merci. Merci si c'est vous, mais par contre, évitez de... De jeter des pierres. De faire des choses agressives. Parce qu'on le sent pas spécialement bien, nous, quand on a des trucs qui nous tombent devant. Si vous comprenez. Ça commence à pleuvoir. Ouais, c'est ce que je vois, oui. Merci à vous, c'est... Merci. Je vous avais posé la question l'autre jour, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est de savoir pourquoi vous errez ici. Vous pouvez communiquer là-dedans, je vous l'avais dit. J'aimerais savoir en fait pourquoi vous errez ici. Qu'est-ce qui fait que vous voulez rester ici? Vous n'avez plus rien à faire ici. Ça vient du chemin là-bas. Est-ce qu'on vous a fait du mal ici? Est-ce que vous en voulez à quelqu'un? Oh, il y a quelque chose qui monte. Ou alors c'est une voiture qui vient de passer, je sais pas, il y avait comme une du piote. Où ça? Là, par là, juste en... J'en ai vu une tout à l'heure, pareil, ça a fait... Ouais. C'est ce que je t'avais dit, je sais pas. Est-ce que vous voulez nous parler? Faites-vous entendre, s'il vous plaît.
L'autre jour, on a bien entendu votre voix, bien qu'on n'a pas compris exactement ce que vous disiez. Et malheureusement, j'ai pas pu... interpréter ce que vous vouliez dire. L'interpréter. Que je te propose, c'est de retourner un coup vers le cimetière. On a du contact. Ah, mais ça bouge quand même malgré tout. Il y a du contact. Et je sais pas, je le sens pas terrible. Alors là, l'air a complètement changé. C'est plus l'air chaud qu'on avait tout à l'heure. Le bon air qu'on avait tout à l'heure. J'ai envie de dire. Ça sent. On a une drôle d'air. On a un vent. D'ailleurs, vous devez l'entendre au micro, je pense. On a un vent assez glauque. Je suis en train de chercher ce putain de portail qui cuine. Il n'y a pas de portail. T'entends ? Entendu. On dira jamais si ne pas lancer par vos masques s'il vous plaît. T'entends pas. C'est un truc de fou ce bruit de portail. C'est bien de là-haut. On en vient de là où il n'y avait pas de portail. Si, il y aura. D'accord. Thank you.
c'est lui qui est cuit. C'est un truc de fou. C'est de l'autre, je crois. Alors voilà les amis, nous sommes du côté de la chapelle mortuaire, donc on a eu quelques, on va dire, petits phénomènes, si on peut appeler ça des phénomènes. Ouais. On a eu quelques surprises au niveau de la chapelle, notamment bon, quelque chose qui est tombé, mais on ne sait pas quoi. Et donc, on peut retourner même dessus, mais c'est vrai que c'est pas... C'est, voilà, c'est, comme dit Brice, c'est vachement moins réactif. Ouais. On a beaucoup moins de bruit, notamment ben, dans le caveau, comme on a eu l'autre jour. Et on a essayé de provoquer à plusieurs reprises. Ouais, donc on entend toujours des petits pas, des trucs, bon, à savoir qu'on est quand même pas loin d'une forêt aussi, donc voilà, on peut pas non plus tout mettre sur, voilà, il y a forcément des animaux, d'ailleurs tout à l'heure on a vu un chat, donc forcément un chat ça marche, ça chasse, vous voyez j'ai la fameuse chapelle mortuaire qui est derrière moi, et voilà, donc pour le moment on n'a pas plus de bruit que ça, il commence à se faire relativement tard, on a attendu un petit moment,
On a eu quelques petits trucs, mais rien de bien violent. Et donc voilà, hein. On va pas vous créer des phénomènes. Exactement. C'est pas dans notre but, comme on vous l'a déjà dit. Donc je pense que vous aurez quand même quelques petits. Bon, je sais pas, je verrai au dérochage s'il y a effectivement les quelques trucs qu'on a entendus et quelques petits bruitages. Et nous verrons bien à ce moment-là. Sinon, donc j'essaie de filmer un peu au niveau de la porte, vous voyez, qui est derrière moi. Donc c'était là-dedans qu'on avait entendu ces gros boum-boum qui venaient du caveau, hein. Qui venait du caveau, et donc Brice qui est derrière, il est là, voilà, et était à côté, il me filmait également. Donc je vous mettrai aussi cette partie dans la vidéo que vous allez voir là, que vous regardez, que vous regarderez d'ailleurs, et voilà. Donc pour nous, l'enquête C'est terminé. se termine. C'était l'entrée du paranormal. Paranormal, l'épisode 10. Allez, à plus. Hein? De quoi? Oh! J'ai rien fait du tout. C'est quoi ce bordel? Est-ce vous qui avez fait ce bruit? Vous faites partie de cette stèle? Voilà, mon pote. Je me casse.